linaudible.com. Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. Eh ben moi, la prochaine fois, je vais amener mon robot et on va trop bien s'éclater. Ah ouais, trop cool. Moi, je viendrai avec Ro. Attends, Vivi, j'ai un appel de Cérébro. Attends. Cérébro message. Dans 10 minutes, reprise de l'enseignement. Amphithéâtre 42, Université Stephen Hawking, tour 125, quartier Citadelle, Oxymut City. Cérébro message. Dans 10 minutes. Dépêche-toi, Vivi. Le vieux crabe va reprendre le récit de la légende sacrée. On va être en retard. Vous l'avez dit, colonel, on a tiré le gros loup. Faites attention à ne pas vous faire repérer. Ne vous inquiétez pas, colonel. Déguisé en fossoyeur comme je suis, je me fonds dans le décor. Alors les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Alfred Hector Petit Patapon. En fait, je le connaissais pas plus que ça, moi. Alors si vous n'avez rien à ajouter... Qui ? Moi ? Ah bah non. Hein ? Non. J'en sais rien, moi. Non. Et bah dans ces cas-là, les copains, on va pas s'attarder. Vous allez refermer la tombe ? Absolument, colonel patron. Mission accomplie. Bien. Et alors maintenant, vous m'expliquez, patron ? Vous expliquez quoi ? Ben, tout ça, pourquoi j'ai tué le gardien, pourquoi vous m'avez fait jouer les fossoyeurs... Quoi ? Le colonel ? Je m'en occupe, non, t'en fais pas. Non, le... Allons bon, il s'est endormi en sursaut. T'en fais pas, mon vieux Duplouc. On les aura. On les aura tous les deux. Le colonel et Ribouledingue. Et alors je lui dis, si tu sais pas t'en servir, fais t'as qu'à demander à ta daronne et puis c'est tout. Chacha, vos darons vous demandent de venir dans l'espace principal. C'est l'heure de prendre vos pilules récréatives. Oui, on aurait voulu. Bibi, il est temps de regagner votre habitacle personnel. Oui, Ruby, je sais. Bibi, t'as révisé toi pour demain ? Révisé quoi ? Eh bien, la légende fondatrice. Le vieux crabe, il fait réciter demain. Ah bon ? C'est demain, j'avais oublié. C'est quelle période ? La leçon 9, l'histoire du petit patapon. Ah oui, le cimetière de la bande de Kabilo, là, tout ça. Oui, moi ce que je préfère, c'est la chanson. Ah ben moi je préfère la récré, hein. L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Abby Le Fanu, Mademoiselle Bobby, Joséphine Baker, François TJP, Mao, The, Blast, Ekinchi et Kellyanne. Livre 1, Les Prophètes. Leçon 9, Les Faits, tu vérifieras. Et c'est là que s'arrête notre piste. Mon pauvre corne en bouc, dans ce cimetière d'autarcie. Bon, enfin, c'est pas possible, colonel patron. On en est qu'au chapitre 9. Ça peut pas s'arrêter déjà. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens, hein ? Je sais bien, Alexis, je sais bien, mais... C'est comme ça, que voulez-vous ? Ou alors ? Ou alors quoi ? En fait, tout repose sur une information qu'on doit me communiquer d'un instant à l'autre. Les mystères entourant cet enterrement m'intriguaient tellement que j'ai lancé quelques investigations. Ah oui ? Et vous les avez lancées loin ? Suffisamment pour qu'elle ne vous revienne pas en pleine gueule, corne en bouc. Qu'est-ce que c'est, Étiennette ? Mon colonel, on vous demande à la radio. À la radio ? Pas question de passer à la radio en ce moment. Dites-leur que je refuse toute interview. Mais non, colonel. À la salle de radio, au sous-sol. Il paraît qu'un message urgent est arrivé. Ah, très bien. J'arrive. Venez, Alexis. Ce sont les informations que j'attendais. Oh, chouette, patron. Je suis jamais été à la radio, en plus. Je sens que la chance va enfin nous sourire, Fouad Borbroche.
Messieurs ? Ne vous interrompez pas, messieurs. Je ne fais que passer. Vous avez un message pour moi, m'a-t-on dit ? Yes, sir. Donnez-le-moi. Yes, sir. Voyons voir. C'est quoi, chef patron ? Je vois. Hein, c'est quoi ? Mais c'est quoi ? Hein ? Étrange. Mais quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça dit, colonel patron ? Cornembouc. Mon bon Cornembouc, nous avons enfin un début de piste. Sans blague, chef patron. Oh, c'est-tu pas Dieu possible ? Et qu'est-ce que c'est-il par la malpeste ? Figurez-vous, Cornembouc, Alfred Hector Petit Patapon est mort en 1793. Yes, sir ! Nous disions donc... Petit Patapon, Alfred Hector Louis. Profession, horloger serrurier. Oui. Né le 23 août 1754 à Versailles. Ah oui, tout de même. Mort le 21 janvier 1793 à Paris. Tiens, tiens. Le sujet a eu une enfance comblée, ses parents jouissant d'une situation matérielle confortable. Alfred Hector Petit Patapon porte le nom d'un ami de son père, qui lui a généreusement donné. Le 16 mai 1770, il épouse la dénommée d'Autriche Marie-Antoinette, grossiste en moutons et dindons. En 1791, chef de rayon grand magasin aux étals généraux, il est mis en examen pour escroquerie, abus de biens sociaux, grivellerie et habeas corpus. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais quitter Paris. Je vais aller en Auvergne. Peut-être dans l'Est. Il quitte alors la capitale pour Puente del Este avec son épouse et son fils Louis-Alfred. Mais le plan sec ayant été déclenché, il est arrêté avec sa famille à l'aéroport de Varennes-Charles-de-Gaulle par le 43e régiment d'infanterie de Béthune, lancé à sa poursuite. Yes, no, ok. Reconnu coupable par la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris, il est condamné à la peine capitale, dont deux fermes, et exécuté le 21 janvier 1793. Ah, il y a une note à bonnet en bas de la page. Un des gardes républicains assemblés autour de la guillotine s'écria quand le couperet tomba. Maudit ! Maudit ! Soyez maudit ! Jusqu'à la 13e génération de nos races ! Maudit ! Maudit ! Renseignement pris. Le garde en question fêtait son anniversaire et était totalement pris de boisson. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas Alfred Hector Petit Patapon que les hommes de Cabillaud ont enterré l'autre jour en autarcie. Décidément, cette petite créature bipède a le don de m'amuser. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas trouvé quelque chose aussi distrayant dans l'ensemble de ma création divine. Et quel est son but exactement à ce vermisseau galactique ? À devenir le maître du monde, rien que ça. Voyez-vous donc les ambitions de ces petites choses. Le maître du monde. Eh ben, ma foi, pourquoi pas. Je mettrais bien 10 balles sur lui au grand bingo intergalactique si je m'écoutais. Et pourquoi je m'écouterais pas après tout. Allez, et 10 balles sur le bipède galonné. Ça
va du plouc? Oui. Tu te sens mieux? Non, enfin... T'es sûr que tu veux pas rester un jour ou deux de plus à l'hosto? Enfin, ça va mieux, quoi. Bon, c'est l'essentiel. On va pouvoir reprendre l'enquête, alors. Ah oui, tiens, c'est vrai. On en est où, d'ailleurs? Ben, je me suis un peu renseigné dans les endroits où il a été aperçu. Ribouledingue? Non, pas Ribouledingue, le colonel. Ah, bon. Et alors? Alors, il est d'abord descendu au Grand Central Hôtel de Gottenburgenham. C'est l'établissement le plus prestigieux de la ville, après l'hostellerie du Pouinerbeux. Ouais, et alors? Bah alors, un mort, le groom. Ouais, jusque-là rien d'original. Et puis? Et puis, il a déjeuné dans un bouilloui plutôt chic à la sortie de la ville. Deux morts, un client et le patron de la gargote. Ouais, la routine quoi. Et ensuite? Ensuite, il est rentré à l'hôtel, a liquidé sa limousine, et puis après on perd sa trace. Ah zut alors, c'est tout? Ouais, c'est tout. Enfin, il y a un autre mort, mais on sait pas si c'est un rapport, gardien de cimetière. Ah. Et Ribouledingue? Bah, rien de neuf sur Ribouledingue. De toute façon, la course c'est aujourd'hui, alors on peut plus rien y faire. Comment? Aujourd'hui? T'es sûr? Ah oui, on est dimanche. Dimanche? Oh là là, oh là 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 là. Mais Duplouc, où tu cours comme ça? Duplouc, attends-moi. Duplouc, attention le... Lampadaire. T'inquiète pas, mon vieux Duplouc. Ça fait trop mal. Un nez, ça se répare. Pire, on t'en fera greffer un autre. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Voilà, on voit... Alfred Hector Petit Patapon, philosophe, homme de lettres, plombier zingueur. Oui, c'est bien lui. Allez, mon petit Alexis, il est temps de se mettre à l'ouvrage. Faites taper, plus fort les bulles! Enfin Anisée que vint, dit le poète, et après elle, la face du monde n'osa plus se montrer que de dos. Et pour tout ça, voyons un peu ce qui se trouve dans ce cercueil. Je parie 1 kilo de plumes contre 1 kilo de rouge que c'est pas un cadavre. Ah, il a ouvert le cercueil. Je le crains, mademoiselle. Et il a trouvé le... Hélas... C'était « Comment devenir maître du monde en 10 leçons ?» Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof, très librement adaptée de Cri de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bouge. Avec Bibi, Abby Le Fanou, Chacha, Mademoiselle Bobby, Le Colonel, Joséphine Baker, Alexis Cornambouc, François TJP, Etunette, Mao, L'Opérateur, Dieu, Dieu, Blast, Gaston Duflan, Ekichi, Gédéon Duplouc, Kélia. À suivre.